Monsieur Cheminade, bonjour. Bonjour. Merci de venir à SOS Éducation pour vous exprimer sur les questions éducatives et sur votre programme. Alors, je crois que vous êtes le candidat à la présidentielle ayant le plus d'expérience, puisque, si j'ai bonne mémoire, votre première candidature date de 1995. Exactement. Voilà, après que vous avez eu, déjà en 1980, l'intention de vous présenter. Donc aujourd'hui, peut-être que pour les membres de SOS Éducation, vous pourriez exprimer en quelques mots ce qui fait la cohérence de ce long parcours politique et le sens de votre candidature aujourd'hui. C'est la défense et de la justice sociale et de l'indépendance de la France dans le monde. Une France qui, comme le disait De Gaulle un jour à l'Université de Mexico, doit servir la cause de l'humanité par le progrès. C'est la patrie, c'est la différence entre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, c'est développer au mieux ce qu'on a à donner aux autres. Le nationalisme, c'est se tourner vers soi-même et le repli national, un exemple aujourd'hui en France. Donc, pour moi, pourquoi la présidentielle? Parce que c'est l'élection la plus ouverte, la plus libre et la plus accessible. En réalité, les Français ne le savent pas, mais c'est une réélection dans laquelle si on a les fameux 500 parrainages, il faudrait dire présentations, les 500 présentations, eh bien, l'État prend en charge les bulletins de vote, les déclarations de candidature et les affiches. Dans les autres élections, il faut payer d'abord. Si on n'atteint pas 5%, ben, on a perdu ce qu'on a investi dans l'élection. Là, c'est quelque chose de très différent. Et c'est malheureux que les élections les plus ouvertes en France soient les municipales à la base et au sommet la présidentielle, et que entre ce soit des élections qui sont verrouillées par l'argent. Très bien. Alors aujourd'hui, dans votre parti Solidarité et Progrès, vous abordez différentes thématiques. Vous abordez notamment les questions éducatives qui nous sont chères. Est-ce que vous pourriez, au tout début de cet entretien, nous faire un diagnostic, nous donner votre vision de l'état actuel du système éducatif? Alors, je dirais une chose. D'abord, je ne suis pas candidat d'un parti. Le parti me soutient, mais je ne suis pas candidat d'un parti. J'ai démissionné de la présidence Solidarité et Progrès parce que je pense qu'une présidentielle, c'est un homme devant la nation, devant un peuple. Alors, dans ces conditions, moi, je veux lire d'abord le préambule de notre Constitution, celui de 1946, repris par celui de la 5e. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. On est en pleine trahison de ce devoir et on a un enseignement qui, notamment dans le primaire, se décompose, il faut dire la vérité, parce qu'en plus, on y investit, on est le dernier des 14 pays développés qui investit le moins par enfant. Alors, en fait, c'est vrai sur le primaire, c'est pas vrai sur l'ensemble du système éducatif. C'est pas vrai sur le secondaire. Sur l'ensemble et c'est pas vrai sur les prépas aux grandes écoles, là, c'est où on investit plus. Sur l'ensemble du système éducatif, la dépense publique est de l'ordre de 7%, donc c'est tout à fait dans la moyenne de ce qui se fait dans l'OCDE. Mais il est vrai que le secondaire concentre la dépense éducative, ce qui peut apparaître comme paradoxal, puisque c'est au primaire, dans des sociétés ouvertes, qu'il faut investir le plus pour pouvoir intégrer des enfants qui viennent parfois de très loin, et puis dans le supérieur, qu'on est dans un. Un secondaire, mais pas les filières professionnelle ou technologique. C'est la filière générale qui est la plus favorisée. Moi, je suis partisan pour qu'on crée un lycée qui soit un lycée polyvalent, dans lequel on aura deux filières professionnelles, l'une avec alternance, l'autre sans, une filière technique et une filière générale. Et que tout, évidemment, il est difficile de regrouper dans les mêmes locaux parce qu'il y a des dispositifs pour l'enseignement professionnel différents, mais qu'il y ait une même autorité, une même responsabilité pour que l'enseignement soit une unité réelle. Les lycées polyvalents existent déjà dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, mais pas pensés comme tels. Les gens qui dirigent ces lycées polyvalents, les proviseurs, n'ont pas cette idée d'être responsables de chacun des éléments qui sont sous leur autorité. Puis on ne leur donne pas une autonomie, pas dans les programmes. Il ne faut pas d'autonomie, bien sûr, dans les programmes. Mais ils n'ont pas une autonomie suffisante dans la gestion qui leur permette d'être responsables. Pour moi, quand on donne une capacité d'organiser les choses, on doit aussi exiger une responsabilité. D'accord. Alors cette question de l'autonomie, effectivement, elle est centrale dans un certain nombre de programmes éducatifs pour cette présidentielle. Vous, par exemple, est-ce que vous êtes favorable au recrutement direct des équipes pédagogiques par les chefs d'établissement? Non, mais je suis favorable à un dialogue entre le chef d'établissement et les autorités sur le recrutement des équipes pédagogiques. Et ce dialogue peut avoir lieu. Aujourd'hui, je sais bien, avec le mammouth, c'est pas possible. Tel qu'il est,
parce qu'il s'est enquisté dans une vision administrative, comme beaucoup de choses en France, et pas dans une vision vivante, humaine, basée sur le principe de créativité, de découverte et d'intérêt pour l'émancipation de chacun. Vous, en parlant d'autonomie, vous rappeliez que toute autonomie est accompagnée d'une responsabilité. Quels pourraient être les éléments de responsabilisation justement des équipes éducatives et des établissements? Quelle procédure d'évaluation, par exemple, est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir voir où ça marche et là où ça marche pas? Il faut qu'un mois avant la rentrée, on sache quelle est l'équipe éducative. Alors, souvent, on le sait qu'au dernier moment. Il faut du temps à cette équipe éducative pour travailler avec l'autorité du proviseur, mais constituant une sorte d'équipe qui lui est attachée. Et puis, je pense qu'un lycée doit être en petit, ce qu'une république est en grand. Donc, il faut qu'il y ait une véritable conjonction, une véritable réunion, une véritable assemblée des parents, des étudiants les plus âgés, les élèves les plus âgés, et de l'autorité du lycée. Et que là, on rende compte, on décide, et qu'il y ait une délibération, et qu'on ait du temps pour ça, et qu'il y ait des bureaux, au moins, dans les lycées, pour que les enseignants puissent recevoir les parents. Parfois, les recevoir dans la salle de classe, qui, à mon avis, est très mauvais, parce qu'il y a l'image de la classe, ou dans un café au coin, ce qui est encore pire. Donc, il faut vraiment aussi la responsabilité de l'élève. Les élèves devraient avoir leur salle de classe. Il ne faut pas qu'ils aillent de salle de classe pour suivre les professeurs. Et leur salle de classe serait leur responsabilité dans son aménagement. Il faut que dans le lycée, il y ait des blogs, un journal de lycée, probablement une petite imprimerie. Il faut qu'il y ait tout ce qui, dans un lycée, donne vie. Effectivement, c'est quelque chose qui a été insuffisamment souligné dans le dernier classement PISA. On voit que les élèves français sont bons derniers de l'OCDE. Pour ce qui concerne le sentiment d'appartenance à leur établissement. Et c'est tout à fait intéressant. Absolument. Parce que ça montre que toutes ces problématiques de décrochage scolaire, d'attrition pour les disciplines académiques, etc., elles sont quand même liées ou elles s'expriment là-dedans, dans le fait que les élèves ne se sentent pas appartenir à un corps. Chaque élève doit penser, l'école, c'est chez moi, et là, je suis protégé de la société et de ses problèmes. Et je suis attaché à une logique de développement de mes facultés créatrices, de ma connaissance et des instruments pour la connaissance. Par exemple, on va vous lire des textes classiques un peu difficiles sans analyse logique, on ne peut pas y arriver. Il faut donner ces instruments pour la connaissance aux élèves. De même, on inflige des formules mathématiques sans montrer comment sont construites ces formules. Le théorème de Pythagore doit être expliqué, disons, visuellement et en montrant comment on le construit en géométrie, pas du tout A2 plus B2 égale C2. On le met, j'ai vu un élève l'autre jour qui avait inscrit sur sa main parce qu'il avait oublié la formule. C'est ridicule. Il faut montrer comment ça se construit. Après, on le retient parce qu'on agit physiquement sur l'univers. Donc là, on rentre dans les questions plus proprement pédagogiques. Ces questions pédagogiques sont liées évidemment à la formation des enseignants. Qu'est-ce que vous proposez pour restaurer la formation des enseignants et, d'une manière générale, redonner de l'attractivité aux carrières du professeur? Qu'on sorte de ce pédagogisme isolé de la manière d'enseigner. Il faut que dans les instituts de formation des enseignants, il y ait des gens qui enseignent encore. Il ne faut pas séparer les deux fonctions. Donc des gens qui enseignent encore l'expérience de cet enseignement. Puis, il faut qu'on s'inspire de partout où il y a de l'inventivité. Il y en a beaucoup dans l'enseignement français. Il y a des gens qui bricolent, d'autres qui construisent différents types d'enseignements. On m'a beaucoup critiqué pour une politique spatiale. J'ai vu que beaucoup d'enseignements prennent la terraformation de Mars pour apprendre l'ADN, pour apprendre ce qu'est la gravité, pour apprendre ce qu'est encore ce que sont les radiations cosmiques. Donc il y a ça, c'est un aspect. Mais il y a aussi d'autres démarches. La démarche de Céline Alvarez avec Montessori, c'est intéressant. Mais si on regarde de près pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'elle a eu droit à un deuxième enseignant avec elle et peu d'élèves. Donc là aussi, on peut appliquer la méthode Montessori, mais ça coûte, et il faut prendre les responsabilités de ce coût, et il faut prendre la responsabilité du nombre d'enseignants qui doivent le faire. En maternelle, qui pour moi est le départ de tout, en maternelle, pas plus de 12 élèves. Et dans des salles qui peuvent créer une convivialité, et qui peuvent créer les conditions pour donner un sens aux mots et au jugement des élèves. Et après, en CP, on voit qui est arrivé et qui n'y est pas arrivé. Et en CP, on réexamine les compétences des uns et des autres.
Alors, tous ces aménagements des établissements que vous proposez, ces formations pour les enseignants, ces diminutions d'élèves dans les classes. En tout, dans les maternelles. Voilà, ça représente évidemment un budget très important. Comment vous réallouez des budgets du secondaire vers le primaire? Ou alors, est-ce qu'il y a des mesures pour financer... Dépouiller Pierre pour habiller Paul. Non, je pense que l'argent, ça se crée. C'est ce qu'on a oublié aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit combien ça coûte. Moi, je dirais non. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça va rapporter et à quel horizon? Et là, on doit penser qu'il faut rétablir une institution en France qui est une banque de la nation, une banque nationale, qui puisse avancer au trésor public les moyens d'investir. C'est ce qu'on avait auparavant. C'est ce qu'on avait en particulier avant 1973, qui n'a pas tout changé. Ce qui a tout changé, c'est l'article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qu'on a appliqué par les lois de 93 et 98. Mais donc, il faut revenir à cela, il faut redonner les moyens à l'État d'avoir le courage d'émanciper, de donner les moyens d'avoir des gens qui puissent éventuellement même contester l'État. C'est comme ce que dit constamment Platon, il faut donner aux gens un savoir, une connaissance, mais qui porte en lui-même la contestation de ce savoir et de cette connaissance. Une dimension dialectique, oui. Mais je reviens quand même sur cette question budgétaire, parce qu'on n'a jamais autant investi pour l'éducation. Le budget de l'éducation nationale a doublé en euros constants depuis le début des années 80, pour une population scolaire qui est restée à peu près la même. Or, ça n'a jamais si mal marché. Est-ce que ce n'est pas la preuve que ce n'est pas une problématique de moyens qui va permettre de résoudre les difficultés éducatives? Parce que si vous avez les priorités financières, la priorité du court terme, et ce que j'appelle l'occupation financière de la France. Vous avez en même temps une occupation culturelle. Et cette occupation culturelle, elle est une occupation qui est basée sur la distraction, parfois, la manipulation des jeunes. J'ai beaucoup critiqué les jeux vidéo ultra-violents. C'est une base de perte d'attention. Les jeunes sont dans les écrans à partir de l'âge de 4 ou 5 ans, 3 heures par jour, puis 4 heures, puis 5 heures. Et cette addiction, comme on dit aujourd'hui, aux écrans, crée pas des jeunes qui deviennent délinquants. Si c'est un Mera ou un autre, oui, mais si c'est un esprit déjà perturbé. Mais pour les autres, une perte de la faculté de concentration à l'école, et ça on la voit partout, tous les gens vous le diront. Mmh. Donc j'en déduis que vous n'êtes pas tellement favorable au développement des tablettes et du numérique à l'école. Non, je pense que l'accord qu'on a fait avec Microsoft pour 17 millions, c'est assez scandaleux. Je suis pour le codage, mais à partir de 12 ans. Steve Jobs lui-même, les gens de Silicon Valley qui fabriquent tous ces instruments, mettent leurs enfants dans les écoles où ils s'assurent que jusqu'à 12 ans, ils n'auront pas l'accès aux écrans et aux tablettes. Donc je ne crois pas qu'en soi, ce soit bon ni mauvais. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais je pense qu'il est très dangereux de créer, sans la présence du maître, un savoir qui devient un savoir imparti et pas un savoir entre deux personnes humaines. Une dernière question peut-être sur l'enseignement supérieur. Vous êtes énarque, Jacques Cheminade. Quelle est votre vision des réformes souhaitables pour à la fois l'enseignement supérieur et les grandes écoles? Actuellement, on y réfléchit, mais on n'y réfléchit pas. Vous savez, tout l'enseignement français est constitué par une pyramide où on s'occupe surtout de 10% qui est en haut, le petit triangle au sommet de la pyramide, et où là, on forme des gens avec un savoir, disons souvent... un peu mort. Vous savez ce que disait Aimé Césaire, hein? Une société qui s'écarte de ses règles est une société moribonde. Et on a ce problème en France, une société gelée. Donc ce sommet apprend, surtout sur la base de formules, de mathématiques, puisque c'est l'instrument de sélection, et pas de l'intuition créatrice, pas de ce qui est latent dans l'art. Moi je suis pour qu'on incorpore dans le cursus scolaire les arts, la danse, le théâtre qui donne confiance. Jouer au théâtre, on doit écouter l'autre dans le théâtre. Les chorales, l'écriture, le dessin, tout cela et la poésie. Il faut apprendre la poésie par cœur. Ça, c'est pas le reste, mais la poésie, oui, parce qu'il y a un plaisir de la langue qui est donné. Et ce plaisir de la langue, évidemment, doit être le fondement de cette institution créatrice. Et après, les mathématiques, oui, mais les mathématiques comme instrument. Einstein disait justement qu'on n'a jamais découvert au sein d'un système donné la raison d'être de ce système. C'est passer à une connaissance qui est la connaissance de comment l'environnement crée une possibilité de découvrir, de connaître et de comprendre. Et pour moi, la salle de classe, c'est ce lieu-là. C'est ce lieu-là où on se concentre sur ça. C'est pour ça que c'est un lieu, en quelque sorte, à la fois pour la société et en dehors de la société.
D'accord. Mais alors, je reviens sur ma question sur les grandes écoles et l'enseignement supérieur. Est-ce que vous avez des propositions précises pour des réformes de... Non, prenons les grandes écoles. Il y a un enseignement mathématique qui ne favorise pas l'esprit de découverte. On forme des administrateurs. Finalement, tous les gens de Polytechnique vont généralement dans l'administration et c'est des désastres, comme on l'a vu à Areva, par exemple. La filière mine mène à un désastre parce qu'on suit l'esprit du temps au lieu de s'attacher à quelque chose qui est le développement réel, technique de ce qu'on doit amener. Et on fabrique alors pour le nucléaire, par exemple, dont je suis tout à fait partisan, mais on fabrique de la sous-traitance en cascade, on laisse passer une rentabilité financière, on laisse un Michel Bolloré qui a géré Framatome, mais le problème est venu d'une pression financière immédiate dans l'administration. Bref, tout ça montre des gens qui ont été formés en amont dans les institutions, pas à la création, à la méthode créatrice, mais à une méthode de traitement de dossier, comme si la réalité était un dossier. Alors il y a quelque chose de très intéressant. Hippolyte Carnot, en 1848, avait élaboré une école du service public. Et il disait, dans cette école, il faudra mettre la méthode créatrice. C'est-à-dire, partout où on crée, il faudra que les élèves absorbent cette méthode créatrice, qui est une, à la fois une connaissance de comment fonctionne la société et sa contestation au nom de principes plus légitimes. Et je pense que l'ENA, c'est exactement l'inverse de ça. On y va, on a un agenda, on se constitue des réseaux, et on le voit aujourd'hui, le résultat dans les candidats à la présidence de la République qui sont passés par là. Alors, ce n'est pas la cause, l'ENA, mais c'est le reflet d'une société. Et là, je crois que arrêter l'ENA, c'est une erreur, la laisser comme elle est, c'est une erreur plus grande encore. Donc il faut en faire une école, pas seulement d'application, mais une école où la création est partout. Et il faut y mettre des créateurs. C'est-à-dire, il ne faut pas y mettre les gens qu'on y met, qui sont des ministères, et des gens qui viennent dire ce qu'on sait ou ce qu'on connaît déjà. Partout, c'est comme ça. Si les grandes écoles doivent être maintenues, elles doivent être de plus en plus rapprochées de l'université. Et si vous prenez en Suisse l'école polytechnique fédérale de Lausanne ou celle de Zurich, il y a beaucoup plus d'élèves qu'en France, d'étudiants qu'en France, et il y a un lien avec, en particulier, les filières professionnelles. Il y a des apprentis qui sont là. Et en France, il faut que l'enseignement professionnel soit absolument réhabilité, vite. Et ça, ça commence par des enfants qui, à la maternelle, puis entre le CP et le CM2, puis à partir de la 6e jusqu'en 3e, et les compétences de jugement, de lecture, d'écriture, de connaissance. Et alors oui, pour arriver à un moment où les centres de formation des apprentis les prendront, dans la filière professionnelle, avec des gens qui ont ces compétences. Alors on pourra prendre en charge un enseignement professionnel. Aujourd'hui, on rattrape des compétences dans les centres de formation des apprentis. Il y en a une filière professionnelle qui est quelque part vue comme un pis-aller ou pire. Donc il faut réhabiliter cela et après faire un lien entre ce qu'on a acquis là, c'est-à-dire tout ce qu'on a développé dans ces centres de formation d'apprentis, le CAP et puis le BTS, le bac pro et enfin la licence pro. Et j'ai vu des enfants qui étaient à ce moment-là déjà des adultes, mais qui étaient passés par là, qui avaient des licences pro et des bacs pro. Certains avaient un BTS aussi, qui ont étudié comment transformer une usine de fonctionnement tel qu'il est à un fonctionnement numérique. Et en 2 ans, ils l'ont fait sans que l'usine soit arrêtée. Donc ça montre cette capacité de connaissance qu'il y a encore et qu'on peut trouver. Et c'est celle-là qui doit être encouragée, comme on doit encourager tous les enseignants innovateurs. Très bien, je vous remercie. Et alors, pour conclure notre entretien, je vous poserai la question que je pose à tous les candidats. Jacques Chevidat, est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir d'école ? Alors, mon plus beau souvenir d'école, c'est un professeur de français qui s'était mis sur le bureau et qui a dit « Le rouge et le noir de Stendhal, vous devez comprendre, après Napoléon, on ne peut plus réussir par l'armée. » Ben, Julien Sorel, il rentre dans la religion, c'est la voie de réussir dans ce qui arrive avec Louis XVIII, avec la restauration. Donc vous devez comprendre, si vous voulez comprendre le rouge et le noir, ben, vous devez le voir comme ça. Et moi, ça m'a ouvert tout à coup une perspective sociale qui était extraordinaire. Alors j'en ai un autre, c'est la lecture d'un premier poème de Baudelaire.
C'était homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, accompagne ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Et là, c'était la poésie aussi qui arrivait. Donc tout ça, mais j'ai de très bons souvenirs de géométrie descriptive, aussi de cours de géométrie descriptive, un professeur un peu loufoque, mais très créateur. Merci beaucoup, Jacques Cheminade. Merci.